Baignez-vous dans la cuisine de la vie en bleu sur France Bleu Gironde. Nous parlons de truites aujourd'hui, la pisciculture du Ciron, Olivier de la Taillade et Chef Jésus. Et messieurs, Olivier, nous accueillons une blogueuse, sérielle blogueuse Isabelle Camus. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour Jésus, bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, on va se mettre un petit peu dans la peau de Maître Yoda, Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, va sortir le 18 décembre prochain. Isabelle, ça vous a inspiré? Absolument, ça m'a inspiré un article pour expliquer la longévité de Maître Yoda, qui, c'est évident, devait manger bio. Ah bah oui, c'est sûr. Donc, j'ai eu l'idée de faire une espèce de décalogue d'aphorismes à la Yoda, pour justifier la pertinence de consommer bio. Bon. Ben on vous écoute. Alors je commence, hein, parce que number one, la première raison, c'est consommer bio pour manger plus sainement, tu devras. Mm-hmm. Parce que bon, là, il faut savoir que l'agriculture française est l'une des plus grosses consommatrices de produits phytosanitaires. Donc déjà ça calme. Deuxième bonne raison, moins de pesticides tu absorberas. Sachant que donc, l'agriculture biologique n'utilise aucun produit chimique. Donc les agriculteurs sont obligés de ruser, de mettre en place des palettes techniques pour faire pousser les plantes et les protéger sans nous tuer. Troisième bonne raison, des aliments plus savoureux, tu dégusteras. Parce que le bio est plus goûteux, plus savoureux, en plus contient souvent plus de nutriments, de minéraux, de vitamines, et ils ont plus de goût. En plus, ils sont cultivés en pleine saisonnalité. Mm-hmm. Déjà, ils sont pas donc forcés. Plus de goût, effectivement. Et voilà, plus de donc soleil. Pas forcés. Quatrième bonne raison, l'environnement tu préserveras. Donc ça, c'est en soi, ça dit tout. Bien et sûr. Quand on dit l'environnement, c'est même de la graine à l'assiette. Ce qui pousse sainement est absorbé sainement. Alors, le temps de retourner la page pour retrouver les cinq prochains le commandements. 5. Nous avons évidemment le vaisseau spatial qui arrive. Oui, en bas de France Bleu, là. C'est un petit peu bouchonné ce matin. Il faut vite dépêcher les cinq nouvelles bonnes résolutions de Maître Yoda. Alors, celle-là, elle va interpeller tout le monde. Pas forcément d'argent, plus d'argent, tu dépenseras. Bon, alors, on ne va pas se mentir, le bio, ça coûte plus cher. Mais en même temps, c'est un prix net. Donc on ne paye pas la dépollution des sols, les maladies que l'alimentation industrielle favorise. Et en plus, ce n'est pas les contribuables qui payent les subventions. Mmh. Bim, ça c'est fait. Sixième bonne raison, au bien-être animal, tu penseras. Oui. Voilà, très important. Et oui, ça fait partie du jeu. Voilà, si on n'est pas végétarien, végétalien, l'agriculture bio s'engage à respecter les animaux dans l'alimentation, les soins, le mode de vie. Septième aphorisme, la certification de manger bio en confiance, tu auras. Avec les labels, certifications, etc. Huitième aphorisme, moins d'OGM, tu subiras. Mmh. Voilà, sachant que quand même la réglementation européenne autorise 0,9%, mais bon, c'est moins que beaucoup. Que le reste. Voilà. Neuvième aphorisme, diversifier ton alimentation, tu apprendras. Donc même manger des légumes anciens, des rutabagas, du panais, du pâtisson, du butternut, qui sont plus riches en vitamines que les traditionnels. Et enfin, the last one, consommateur, tu deviendras. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Voilà. Merci, Maître Yoda du bio, Isabelle. C'est parce que les vœux de la nouvelle année, hein. Que la force soit dans vos assiettes, les amis. Merci, Isabelle Camus. Et oui, Star Wars sort bientôt, hein, l'ascension de Skywalker, épisode 9. Ce sera le 18 décembre prochain. Et on se quitte comme ça aujourd'hui. Merci, Isabelle Camus. Merci, Olivier de la Taillade pour la pisciculture du Ciron. On retrouve vos produits. Donc au hall de Bacalan, on l'a dit, au carreau des producteurs, mais également dans les compagnies fermières, Mérignac, Gradignan, le Cop Paysanne, la maison des producteurs à Sissac, dans le Médoc, et bien d'autres endroits. Encore. Merci beaucoup. Bravo pour ce beau travail. Eh bien merci Chef Jésus, je vous dis à demain. Oui, avec grand plaisir Isabelle. À partir de 9h, La Vie en Bleu vous parlera de très belles choses aussi demain matin. À 9h, on vous parlera d'un jeu, la Monopoly du développement durable. Et puis on parlera de bon vin aussi sur l'antenne de France Bleu Gironde. Podcastez le magazine de La Vie en Bleu sur francebleu.fr.